Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. On se retrouve pour du coup le premier épisode de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Normalement, il y avait une préquelle de l'histoire. Voilà, c'est Ground Zero, Metal Gear Solid 5 Ground Zero, qui sert de prologue à Phantom Pain. Je ne l'ai pas fait. Vous pourrez le faire de votre côté si ça vous intéresse avant de jouer, si vous voulez, à The Phantom Pain. Comme ça, vous aurez exactement l'histoire principale dans la tête. Je vais quand même vous donner les informations importantes sur le jeu. Donc, c'est un jeu qui est sorti le 1er septembre 2015. Il a été fait par Kojima Productions, donc par Hideo Kojima, hein, qu'on connaît bien. L'éditeur, c'est Konami, donc très connu aussi. C'est un jeu de type action-aventure infiltration en monde ouvert. Il coûte environ 20 € sur Steam, et puis après, bah, vous savez, hein, ça peut varier avec les promotions, etc. Le jeu suit un homme qui s'appelle Big Boss, ou plutôt on le connaît sous le nom de Snake, qui est un mercenaire légendaire qui a été réveillé d'un coma de 9 ans et qui cherche à se venger de l'attaque qui a détruit sa base. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus que ça. C'est un jeu qui fait environ 45-50 heures de jeu sur l'histoire principale. Donc c'est à peu près le temps qu'on va mettre pour faire ce jeu tout simplement. Les mécaniques intéressantes que je trouve dans ce jeu, c'est qu'il intègre une gestion de la base. Il permet au joueur de recruter des soldats ennemis pour agrandir son équipe. Donc en fait, on forme sa propre équipe et développer son arsenal. Le système Fulton permet également de capturer et rapatrier des ressources ennemies, animaux, et qui permettent du coup d'améliorer la base. Ensuite, l'intelligence artificielle, qui est vraiment apparemment plutôt bien, elle réagit aux habitudes du joueur. Donc si vous passez toujours derrière un bâtiment, que vous infiltrez toujours, et bah, ils deviendront de plus en plus conscients de ce que vous faites. Donc il y aura peut-être plus de défense à l'arrière des bâtiments. Et ils vous attendront au tournant, quoi. Si vous avez l'habitude de jeter des objets pour distraire des gardes, eh bien, ils vont peut-être, au bout d'un moment, se retourner et dire, tiens, là, c'est pas normal, on va aller vers là où on pense que l'objet a été lancé et pas là où l'objet est lancé. Enfin, où a touché le sol, a fait du bruit, quoi, tout simplement. Donc, ce genre de choses, je sais pas à quel point c'est poussé, les gars, hein. Je vous ai donné des exemples pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce que ça pourrait être. Mais en vrai, j'en sais rien du tout. Mais c'est ce genre de choses-là qui va arriver dans le jeu. Ajouter un niveau supplémentaire au fil des missions. Donc ça augmente un peu la difficulté. Ça nous force en fait à innover un peu dans notre gameplay, à tester des nouvelles choses pour prendre par surprise l'IA du jeu, tout simplement, les ennemis. Voilà. Un bon jeu d'infiltration, là. Jean Connard, version vigilant, infiltration. Il avait devenu un agent. J'ai pas tout compris, la gamer. En plus, t'as dit beaucoup infiltration, je trouve. Mais oui, je vais devenir un agent secret. Le but, je vous le dis tout de suite, hein, le but dans ce jeu, c'est d'essayer de faire le moins de morts possible. Si j'ai pas le choix, je le ferai. Mais sinon, c'est pas grave. Bon, assez parlé. On se retrouve donc sur l'écran principal. Je vais lancer le jeu, il va sûrement y avoir un tunnel de cinématiques, etc. avant le gameplay, donc je vais vous laisser profiter un petit peu des cinématiques du début de jeu, évidemment. Et normalement, le jeu est en français. Voilà, maintenant, ça devrait être bon. Oui, c'est ça, je vais devenir un professionnel de l'infiltration. Attends, quoi? On a un problème. On a déjà un problème. Est-ce que tu peux m'entendre? Est-ce que tu as des difficultés à parler? Est-ce que vous pouvez bouger votre tête? Bouge la tête si tu peux m'entendre. Je vais mettre les sous-titres après, les gars. Regarde vers le haut, s'il te plaît. Très bien.
Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Est-ce que vous pouvez parler? What is your name? Quel est ton nom? When were you born? Et qu'est-ce que Who vous did faites you ici? call? Qui vous voulez appeler? Qui voulez-vous appeler? Entrez votre nom. Ah, on peut pas. On peut pas? Comment ça, on peut pas? Oula, attendez, j'ai un bug là. Ah non, c'est bon. Oula, oula. Ok. Alors attendez, il y a des trucs qui se passent bizarres là. J'appuie sur la manette. Ok, c'est bon. Date de naissance en mai, le 12. Comme ça, vous connaissez ma date de naissance, les gars. Point de contrôle. Now, Bien. Alors, passons à la suite. please try to relax. There is S'il vous plenty plaît, of time. relaxez-vous. I need to tell you something. Je dois dire quelque chose. Please listen Écoutez. and try not Essayez to panic. de ne pas paniquer. You've been in a coma for Vous avez months été en now. coma pendant un certain Yes, temps. I know. You would like to know how long. Vous voulez savoir combien de temps, I'm évidemment. afraid it's been J'ai bien peur que years. ce soit de 9 ans. Calmez-vous, calmez-vous. Aiguille d'épinéphrine. Ne paniquez pas. Ouh. Ouh. Une semaine après le réveil. Comment vous vous sentez? It's been 1 week since you came to. Now, let's try getting you out of that bed. On va essayer de vous sortir de votre lit aujourd'hui. Don't worry. Ne vous There's inquiétez some pas. strength, but we've been maintaining your muscle mass through massages, CPM therapy and EMS. Ok, donc on a utilisé tous les moyens nécessaires pour garder vos muscles en You need to état. claim something today, but you Mais mustn't be alone. je voudrais vous faire part de quelque chose, mais il faut que vous soyez 9 years ago, you were réveillé. injured in an explosion. Wow. Upon examination, we discovered 108 foreign bodies embedded within you. Alors il y avait 108 morceaux qui étaient dans son corps In addition à to cause de some, l'explosion. we also found fragments of human bone and human teeth. Ah ouais, Most il y of avait them were des morceaux human. d'humains, des dents et Some des of the d'autres fragments trucs dans le still corps. remain. They are Il y en a encore qui located restent. near your heart and in your skull. Il ne pouvait pas retirer tous ceux qui étaient dans le cœur et dans la tête. Look at this. Waouh. The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. We couldn't give you an MRI, the metal, you see. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. C'est dangereux pour vous. Mental and physical impairments are unavoidable. However, your current status is not life-threatening. One more thing. Comprends pas pourquoi ils ont pas mis les sous-titres de base en fait. You're gonna look now. Best to understand your situation Alors, sooner than later. j'ai l'impression qu'il a perdu un bras, It's non? difficult. But please look down. It's best to see with your own eyes. Be brave. Wow, le choc. Vous devez vous calmer. Tout va bien se passer.
Ah, il y a un moment, j'ai le droit au menu ou pas là? You should be dead, but you're not. The wheels are in motion. Your enemies are everywhere. We must alter your Vos ennemis location. sont partout. Otherwise, I fear you won't leave this place alive. Vous voulez sûrement quitter cet endroit en It's a vie. wide open world out there, so there's something we need to take care of first. Le monde qui nous entoure en dehors de cette clinique est sauvage. Waouh. I'm going to change your appearance. We have no other choice. What you look like, however. Bon, je regarde, les gars, on le garde comme on le garde tel quel, non? Ah, bah on n'a pas trop de choix. Déjà, il sera pas chauve, ça c'est sûr. C'est pas mal ça, il y a quoi d'autre? Ah oui, on peut rajouter de la barbe. Putain, il fait même de la chirurgie esthétique, le gars. Il manquerait juste de la barbe à lui. Coiffure. Arcade. Nez. Joue. Bouche. Menton. Couleur. Trait. Qu'est-ce qu'il y a? On va pas y passer 10 ans, les gars. Hein. Vous inquiétez pas. J'aime bien juste ça, c'est simple, c'est efficace. Allez, on va prendre lui. Bon, bah on est Snake, mais on n'est plus Snake. Very good. Now let's remove these bandages. Allez, laissez-moi un petit peu jouer là. Nicely. To tell Ça you vous the va truth, parfaitement. these bandages were more for your protection, to hide you from those who want you dead. Ces bandages étaient plus pour vous But protéger qu'autre chose des gens qui vous veulent your la name mort. is Ahab. Mon nom est Ahab. Forget everything. Your name, N'oubliez rien. your past. N'oubliez pas votre nom ni de votre passé. Alors moi qui m'y connais rien dans la série des Metal Gear, il y a les personnages qu'on voit, je pense qu'on les connaît, mais... This is you, as you've lived until this day. Tomorrow, it becomes your phantom. Ok. Oh, ça fait super bizarre là de se voir dans la vitre, enfin dans le miroir. Donne le flingue. Oh, le craquement. Ah, ça fait froid dans le dos quand même. On est tellement dans la... On est foutu là. Non, 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 pas maintenant, l'aventure fait que commencer, hein. Oh, merci, je sais pas qui t'es, mais merci. Peut-être quelqu'un qu'on connaît?
Oh, de l'alcool. Oh, bien joué, bien joué. On... Ouf. Ah, je m'en doutais. Mais c'est fini pour toi, hein. Ouais, même en flamme et tout. On est débarrassé d'elle. On l'a eu. Mais qui êtes-vous? Parle de toi-même. Et dites-moi, le son, il est assez fort là? On est dans le jeu. Alors, enfin, paramètres d'affichage sûrement. Bah, il y a les sous-titres. Pourquoi ils sont pas affichés? Afficher sous-titres, oui. Ok. J'ai pas regardé, attendez, les paramètres d'affichage, je suis bête. FPS auto. 30 auto, ok. Ouais, au pire, on va jouer comme il voulait. Voilà. Mince. Voilà. Allez, c'est parti. Allez Snake, tu peux le faire. Tu vas où là? Ah ouais, il maîtrise plus du tout ses jambes là. Non, ne touche pas ça, il va encore partir. Ah bah là, on y est encore l'année prochaine, hein. Ça sent mauvais, hein. Parce que ça, c'est pas un hélico public. C'est clairement l'armée, hein. Allez, Snake. Bats-toi pour ta vie. Franchement, c'est super beau pour l'instant. Et c'est assez terrifiant cette scène, non? On sait pas ce qui arrive, on sait pas ce qui va nous arriver.
La situation, elle est critique. Ça fait 9 ans qu'il est en hôpital. Trois fois quand même, hein. Allez Snake, si t'arrives à attraper la barre, peut-être que tu peux avancer, hein. Non? Ah là, mais moi je serais épuisé à sa place, hein. Attends quoi? Mais elle vient d'apparaître, non? Quoi? Oh. Waouh. Alors, comme si c'était pas suffisant ce qui était arrivé avant là. Voilà, dinguerie. Barre-toi, barrez-vous, barrez-vous là. Non, mais on est dans un truc de super-héros. Alors là, je m'attendais pas à ce que ce soit fantastique à ce point-là. Hein. Déjà que mon intérêt était haut, mais alors là, je suis encore plus hypé par le jeu, les gars. Ouais, il a l'épaule déboîtée, c'est horrible. Et son pote a pas le temps de lui reboîter l'épaule. Oula. Franchement, l'animation, elle est bien faite, hein. On sent toute la lourdeur de son corps. Ah bah je l'avais dit, il va lui remboîter l'épaule. Ah, ils vont forcément nous apprendre à nous infiltrer, du coup. Oula, grenade fumigène, c'est pas bon signe. Hein. J'espère que tu te déplaces vite, Snake, parce que là, c'est fini, là. Ah, ça va. Ok. Je te suis, mon pote, je te suis. Enfin. Ah oui, d'accord.
On va se cacher sous les lits. C'est tellement catastrophique. Ah, il va lui tirer une balle, hein. La vision d'horreur. Wow. Surtout, ne regarde pas sous le lit. Non, non. Je souffle fort là, les gars. Il nous voit pas là? Par contre, il avait une tête de non-humain. Hein. Vous en pensez quoi, les gars? La tête, son visage, c'était pas humain, non? Ah, j'ai eu l'impression qu'il avait pas d'yeux. Allez, là, on peut bouger. Aïe, aïe. Ah non, c'est trop tard là. C'est trop tard. Oh là 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 là. Oh. Mais c'est terrible. Ah, on a. Bah non, mais on a de la chance à l'infini là, non? Allez, cours, 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 cours. Il y a donc sous un objet, ça nous donne une vision FPS. Oh là, oh là. Wow, mais qui sont-ils pour tirer sur des infirmiers, quoi? Et des malades? Et qu'est-ce qu'ils recherchent, en fait? C'est nous qui recherchent? Mince, c'était pas ça. C'est quoi, là, se mettre à... Ah oui, d'accord. Mince. On reprend notre checkpoint. On réessaye, on réessaye. Je pensais que je pouvais passer parce que mon pote, il était passé. Vas-y, vas-y. Now. Ok. J'ai compris le principe. Oh là, il y a des gens derrière. Il cherche Snake. Enfin, il croit que c'est Snake. Ah oui, d'accord. Ok. Trace. Ça, c'est quelque chose, Kyler Rayner, qui a été dit dans les jeux précédents, c'est ça? C'est genre dans la préquelle, peut-être? Mais ouais, mais il se passe des choses derrière aussi, tu sais.
Bon, on va arrêter de regarder derrière. C'est pas le moment. Effectivement. Non, non, je suis mon pote, hein. Faut pas courir. Allez, dépêche, dépêche, dépêche. Ouais, bah ouais, je veux bien. Ça met tellement la pression. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils vont tous se faire fumer, eux. Hein. Ça marche, merci Kyle. Donc c'est nous qui recherchons en fait. En tout cas, la mise en scène, elle est incroyable. Tout va bien, tout va bien. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas les sous-titres, par contre, ça c'est dommage. Hein. Est-ce que vous avez entendu ça? Il y a du gameplay, les gars. Qui est là? Je vois, je peux pas voir ce qui se passe. Pourquoi ils zooment sur... Oh là. Waouh, waouh. Waouh, des deux côtés. Moi, ce qui m'était absent, c'est de... Bah ouais, mais je me demandais aussi, parce que Kojima, quand même... T'abuses un peu, hein, sur les vêtements et tout. Non, on va ramper. Bah à ce point-là, après, je pense que ça serait un peu abusé, quoi, mais. Et puis je pourrais pas y jouer si c'était le cas. Ok. Mon pote, il est où là? Il est là-bas. 1, 2. Quoi? C'est pas sur moi qu'il a tiré là. En fait, dès qu'il croise quelqu'un, il le fusille. Et l'autre, il est toujours là-bas, donc je peux pas avancer. Obligé de subir une pression permanente. Ok. Franchement, si c'est ça tout le long du jeu, ça va être vraiment une dinguerie. Hein. Je vais kiffer y jouer. Hein. Oh l'horreur! Comment ça se fait? Je me vois là. Je compte. C'était la caméra là? Ah oui, d'accord. C'était un peu bizarre quand même de se voir au bout de la salle alors qu'il nous montre une scène. C'est pas comme ça après, c'est open world. D'accord, ouais. Bah j'avais cru comprendre que c'était un open world, mais s'il y a des séances. Ouais, des séances scénarisées comme ça. Franchement, ça peut valoir le coup. Hein. Il va où là? Ils sont barrés.
Mais lui, il va finir par se faire buter hein, sur ça. Ok. Je peux sortir? L'option contre les marionnettes infectées, t'inquiète. D'accord, ça marche. Mais non! Non, les gars, il y a eu un bug de collision. Non. J'ai voulu m'allonger sans faire exprès sur les jambes de mon pote et du coup, ça m'a relevé automatiquement. Il est où là? C'est là-bas. Ça va, j'étais à 1 millimètre. Bon, je le laisse passer et puis voilà quoi. Ah donc, sur le ventre. Et cette fois... Ah oui d'accord, on se fait passer pour un cadavre. Plancto au lieu de Sid. Bah j'essayais pas de faire ça, hein. J'essayais pas de faire ce que tu dis, hein. D'accord, ouais. Ah, dans la réalité, tu t'arrêtes de respirer pendant 10 minutes pour qu'ils te croient mort. Oh oh. Oh non, ils vont pas faire ça. Non mais, une balle, ça suffit, frère. Quoi, un bazooka? Pourquoi triangle? Ça fait quoi triangle? Triangle. Et pisse dessus. Ah mais je crois que je ferais pareil les gars. Là franchement c'est pas une honte hein. Non mais attends, il vient de bouger la tête devant lui. Oh là 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 là. Hein? Attends, t'as oublié le pseudo. Ah non, ça c'est... Avec la manette que j'ai, c'est A. Normalement pour toi c'est X. Apparemment ça a rien de lui tirer dessus. Ouais, il est terrifiant. Il commence. Ouais, il est vraiment terrifiant quoi. On sait plus qui est l'allié de l'ennemi, c'est terrible. Hein. Je suis pas sûr qu'il nous ait sauvés volontairement.
Ah, mais dites-vous que c'est le deuxième Metal Gear Solid que je fais de ma vie là. On passe d'un jeu sur PSP à ça. Le truc avec du fantastique, de surréaliste, de l'horreur et tout. C'est pas du tout les souvenirs que j'ai de sur PSP. Hein. Je me disais la même chose, Kyle. Il tire au bazooka sur lui, mais c'est des charges explosives, c'est du feu. Par contre, les balles de flingue, elles ont pas l'air de faire grand-chose non plus, hein, donc. C'est très efficace. Coup critique. C'est marrant parce que quand on met de l'eau, il disparaît carrément. Comme s'il n'avait pas de forme physique, quoi. Donc voilà, donc Y pour moi, c'est soigné. Ouf. D'accord, il s'était déboîté le genou. Dépêche, dépêche. Ah ouais, j'ai loupé des étapes, mais. Faut dire qu'il y avait tellement de bons jeux à jouer que je l'ai laissé un peu de côté et puis je voulais m'y remettre, tu vois. Attendez, je voudrais juste voir un truc. Est-ce qu'il n'y a pas un truc cinématique? Parce que ça m'embête qu'il n'y ait pas les sous-titres. Moi, je comprends tout, hein, mais c'est vraiment embêtant, quoi. Il n'y a vraiment rien. Parce que les sous-titres là, c'est sous-titres par rapport à quand on est en train de jouer, mais pas dans les cinématiques. Non, pas de cagoule de poulet. Paramètres d'affichage, c'est ce que j'ai fait. Attends, il y a deux paramètres d'affichage. Il y a ça et il y a ça. Ouais, mais non, ça va pas être bon. Non, bah non, hein, il n'y aura pas plus de sous-titres. Hein. C'est dommage. J'aurais bien aimé avoir le flingue, moi, par contre. J'aurais capté à l'histoire. Hein. Bah, je comprends pas qui sont les personnages, mais au bout d'un moment, j'espère bien comprendre quand même. Il y en a un autre, non, avec lui. Non, mais l'histoire de MG, c'est grave complexe. Ouais, j'en ai un peu entendu parler, mais enfin, je pense pas que ce soit suffisant pour comprendre quoi que ce soit. Je sais juste que je connais un petit peu le gameplay, on va dire, tu vois, du jeu, quoi. Je sais plus ou moins ce qui va m'attendre. Du coup, on fait quoi là? Allez, ok. Ok. On peut pas recharger. Comment on fait pour recharger? Ok, c'est ça. Déjà, en les ayant tous, c'est chaud à comprendre, alors sans les faire, laisse tomber. Ouais, bah. À un moment donné, faut bien. C'est une belle licence, Metal Gear Solid. Donc, j'ai pas envie de passer à côté non plus toute ma vie. Et à un moment, faut bien y aller, quoi. Et pour l'instant, franchement, je regrette pas d'avoir lancé le jeu. Hein.
run interference. Après bon, je l'ai jamais fini, mais je l'avais comme certains il y a longtemps et je l'avais arrêté. Tu veux dire cet épisode-là, gamer? Ouah, lui, c'est un ouf. Ah, je tire dans la bonbonne, non? Je tire dans la bonbonne. Quoi? Il est toujours pas tombé, lui? On se casse! Je sais pas ce que j'avais à faire. Non, je pense que j'ai loupé un truc. J'ai loupé un truc, non? Là, il y a trop de gens qui tirent. Balle dans la tête. Balle dans la tête. Ok, on recharge. Il est juste là. Balle dans la tête. Oh non, non, pas dans les flammes. Non, mais je suis débile. Arrête de bouger. On voit pas sa vie à un moment donné. Je veux te savoir où il planque les chargeurs de rechange. On veut pas savoir, Kyle. On ne veut pas savoir. Quoi? Non mais c'est dinguerie sur dinguerie là. Je suis sûr, elle c'est une alliée. Pauvre Snake, ce qu'il faut pas faire pour survivre. Attends, mais qu'est-ce qu'elle... Oh là. Ah, c'est une annihilation là. Il va imploser, hein. Cours, Snake, cours. Quoi? J'ai plus rien contre lui. Ah non, il se met contre la porte.
Qu'est-ce que je peux faire? Faudrait que je trouve un endroit. Bon là je l'attire. On peut dire qu'il leur a mis une cartouche. Il leur a mis le chargeur plutôt. Quoique une cartouche chargeur c'est pareil ou... Non je crois que c'est pas la même chose. Les flammes, les flammes, les flammes. Les flammes, y a rien. On peut pas passer la fenêtre. Plongeon rapide. Ah oui, ok. Une cartouche et une munition. Une cartouche de fusil à pompe. C'est les gentils ou les méchants là qui viennent d'arriver? C'est plutôt les méchants. Ah, je suis pas sûr, hein. Tout à l'heure, ils n'avaient pas ces yeux-là, les ennemis. Hein. Alors là, ils refont la même erreur. T'as les lignes pas sur les moyens. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Comment ça, un hélico est rentré dans le bâtiment? Ah, c'est la fille qui a fait ça. Elle a des pouvoirs psychokinésiques. Elle lui est rentrée dedans. Par contre, moi, faut que je me casse maintenant. Ok. C'est maintenant qu'on va savoir si c'est un allié ou un ennemi. Et on ne saura pas. Oh là là là. Il est là! Je croyais qu'il était, il était foutu. En fait, il nous a pas laissé. Oula. Je crois que c'est un ennemi. En tout cas, nous on est sauvés. Non, mais faut vraiment regarder la route. Ah, il vient de s'envoler là. Wow.
Cette intro est interminable et trop bien. Et c'est bon là? Wow. Je sais pas quoi dire les gars, ça enchaîne, ça s'arrête jamais. Non, pitié, des alliés. Ah, d'accord. Je suis d'accord. Quoi? Baleine de feu? Franchement, ça envoie du lourd, hein. Par contre, qui sont tous ces gens? Enfin! Mais pourquoi il est à cheval? Ah, il y a une phase de... Ah bah je vais pas le louper, hein. Aïe, aïe, aïe. Je le vois plus. Recharge, recharge, recharge. Pour l'instant, je vois rien, il y a trop d'arbres. Allez, allez. Non, loupé. Il y a trop d'arbres. Recharge, recharge, j'ai bientôt plus de balles. Ah oui, mais t'es gentil. Hein. Je l'ai touché plein de fois, ouais. Oula. Je tire, je tire!
J'ai pas arrêté de lui tirer dessus! Quoi? Après le feu, la poudre! Je sais pas comment il fait pour être encore vivant après tout ça. Hein.